Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir chez vous Jean-Bernard Hébé, Christine Bravo, Sophie Garel, Philippe Gueluc, et Elsa Fayer, et Jean-Luc Lemoine. Vous avez cru que je... Un instant, vous avez cru que j'allais vous oublier, hein, Jean-Luc. Mais j'ai bien senti que vous alliez m'oublier. Mais non, je vous ai vu là il y a à peine 2 secondes encore. Donner, j'imagine, car vous ne le reprenez pas, un mouchoir en papier à Christine. Qu'est-ce qu'elle fait, Christine? Elle fait des bisous. Cette femme est folle. C'était mon petit cadreur de quand j'avais une émission de télé. Ah ouais? T'as couché avec elle, toi aussi? Ah oui! Il me ramenait. Il me ramenait le soir. C'était vous mignon. Ramenait le soir? C'est vrai? Trois fois. Non, il veut dire ils étaient trois pour la ramener. Un qui conduisait, 2 qui la portaient. Tu te rappelles? Non, mais... Oh. Et ça te fait quoi travailler dans des émissions sérieuses maintenant? Non, mais c'est émouvant de retrouver ces petits, quoi. Bah oui, surtout quand on n'a plus rien, quoi. Oh, c'est mieux. C'est mieux parce que pour moi, ils sont tous morts, ceux qui m'ont qui me filmaient. Comment tu me trouves? Non, non, mais sérieux. Et tu fais comme d'habitude, tu la filmes pas trop, hein? Jean-Luc et Philippe, vous serez d'accord pour qu'on passe tout de suite à la photo du jour? Mais volontiers. Et les photos du jour, ça va intéresser essentiellement les dames, pas seulement, mais en tout cas celles ici présentes sur ce plateau. C'est le nouveau, et oui, on l'attend chaque année, le nouveau calendrier des joueurs de rugby du Stade français. Et cette année encore, ils posent à poil dans leur fameux calendrier. Ils viendront bientôt ici sur notre plateau. Les dieux du Stade, le calendrier 2005 est déjà prêt. Gala nous livre quelques photos en exclusivité. Et c'est toujours très chaud, hein, ça laisse rêveur. Qu'est-ce qu'il y a? Disons que moi, plutôt que de les coller au mur, je préférais qu'ils me collent au mur. Mais bon. Elle est déchaînée en ce moment. Oui, Elsa. Non, mais elle est déchaînée. Ça fait combien de temps que t'as pas vu Paco? Parce que là, ça commence à faire long. C'est pour ça. Ça va aller. Et sachez que le Paris Saint-Germain compte bientôt faire la même chose. Ah, parce que le calendrier du PSG, c'est le seul où ils peuvent être en queue sans avoir à se déshabiller. Allez, temps de passer à la revue de presse du dessin humoristique de la semaine. Et on commence avec ce dessin de Cabu dans Charlie Hebdo qui nous rappelle que dimanche dernier, Charles Pasqua a été réélu sénateur. Parité au Sénat, 1 dose de femme, 5 doses de Ricard. Pasqua encore vu par Pétillon dans Le Canard enchaîné. « Ça me fait une grande joie, dit Charles Pasqua. Une telle joie que je me demande si je n'ai pas eu une sorte de choc psychologique qui aurait eu des répercussions sur ma mémoire. » Par exemple, il y a des pans entiers de l'histoire de Chirac et du RPR dont je n'arrive plus à me souvenir. À nos âges, ça arrive. Jean-Pierre Raffara a lui aussi été réélu sénateur de la Vienne ce week-end, ce qui nous vaut ce dessin de Lefret Touron dans Le Canard enchaîné. J'ai gagné? Vous êtes sûr? C'est pas possible. Mais oui, monsieur le Premier ministre, ça fait 10 fois qu'on fait les comptes devant vous. Il n'y croit pas. Un petit tour en Corse maintenant avec ce dessin de Tinius dans Marianne. Le boulot en Corse, ça doit être réservé aux Corses. L'affaire de la SNCM, la Société de Transport Maritime, a inspiré ce dessin à Plantu dans l'Express. Voyez, on voit quelqu'un à bord, quelqu'un qui est dans l'eau, à la mer, perdu, et le type en haut du bateau dit « Je répète ma question, êtes-vous résident de Corse ?» La Christine, arrête pas de dire « je comprends pas, je comprends pas ». Non mais ce serait peut-être un peu long à lui expliquer, on termine à 8h moins le quart. Oui, toujours. Donc alors continuons. Cabu, dans Le Canard enchaîné, nous croque l'éternel revenant du Parti Socialiste, le slogan à la mode au PS, Lionel Jospin, on y revient. Vous avez remarqué? J'ai remarqué que les ménagères ont des têtes particulières. Oui, elles sont connues. Ah, ouais. Celle de gauche, c'est Fabius. Il y a les ménagères chauves. Il y a qui après? François Hollande. L'affaire de la petite Charlotte. Vous êtes au courant de cette affaire, oui, Christine. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à cette petite Charlotte?
son papa et sa maman se disputent sa garde et les policiers sont arrivés à l'école maternelle. Nanana. Exactement, victime d'une descente policière à cause d'un divorce et d'une garde partagée non respectée par la maman. Et à nouveau, ce dessin de rançon dans Le Parisien, regardez, on voit un flic qui dit au gamin, tu vas bénéficier de la garde alternée. Un coup la police, un coup le psy. Là, j'ai compris. Sur le même sujet, le dessinateur Charb nous reconstitue la scène dans Charlie Hebdo, descente de police à la maternelle, les papiers du véhicule, bâtard. Ça, c'est vraiment ça. Voilà. Charb, dans Charlie Hebdo, s'est intéressé, lui, aux Jeux paralympiques d'Athènes, avec nos champions handicapés sur place, qui ont obtenu de bons résultats. Et là, il y a un type qui appelle le ministre, qui fait « Allô, douste blasi, à Athènes, ils gagnent des médailles d'or, et en France, ils se font prendre en charge à 100% par la sécu. C'est de la nasse, c'est de l'arnaque !» Humour très noir. Dans le même journal, Charts revient sur le mondial de l'automobile à Paris. Au salon de l'auto, la voiture devient intelligente. Et on voit la bagnole qui fait « Bonjour les cons ». Et on termine par deux dessins d'un excellent dessinateur qui s'appelle Philippe Geluck, dans VSD. Par exemple, celui-là, on voit le chat qui dit « J'avais demandé ma viande très peu cuite. Sans doute l'était-elle un poil trop peu ?» J'ai compris. Expliquez le dessin. Mais Christine. J'ai compris, mais je me demandais qu'est-ce que c'était qu'un animal à trois doigts de pied. Avec trois pattes. Ah, c'est une souris. Il y a une souris pieds. À trois doigts de pied. Oui, parce que pour cuire les souris, pour cuire la souris, il faut leur en couper deux avant parce que c'est meilleur. Et voilà. Un autre dessin, Philippe. Quand on aime, on ne compte pas, dit le chat dans VSD. Quand on n'aime pas, on compte. Ça, c'est vrai. Et quand on n'aime pas compter, on fait quoi? Dimanche dernier, vous le savez, ont eu lieu les élections sénatoriales. Et si vous n'avez pas voté, c'est normal, vous n'aviez pas à le faire. C'était des grands électeurs qui votaient dans chaque département. Le bilan de ces élections, c'est que Charles Pasqua a trouvé une prison dorée. L'UMP, elle, a perdu sa majorité absolue. Et le Parti socialiste a obtenu 10 sièges supplémentaires. David Assouline fait partie de ces nouveaux sénateurs socialistes. Et à la différence des autres, il est, lui, un des plus jeunes, peut-être même le plus jeune, on va lui demander, du palais du Luxembourg. C'est une particularité inhabituel. En plus, on ne l'imaginait pas vraiment au Sénat. Lui, jeune militant qu'on a connu dans les années 80, particulièrement en 86, quand il manifestait contre les lois de Vaquer. Il siégera pourtant au Sénat. Nous allons donc tester David Assouline. Bonsoir, bienvenue. On peut dire votre âge alors? Ouais, ouais. 45 ans. Ouais. Vous n'êtes pas le plus jeune au Sénat? Non, je crois pas. C'est pas jeune, 45 ans. Ah, c'est pas jeune, enfin, dis donc, c'est pas tu vieux. Veux une tarte? Non, mais la moyenne d'âge au Sénat, c'est 61, je crois, ou 62. Oui, pour le Sénat, c'est jeune. On vous voit encore manifestant dans les rues, c'était bien de Vaquer, je me trompe pas, ouais. En 86. Et puis, merci, on pouvait s'imaginer que moins de 20 ans plus tard, vous seriez sénateur. Alors, comment on devient sénateur comme ça? Vous savez, 20 ans, d'abord, c'est long. Moi, je suis un militant. Quand j'ai commencé à militer, j'étais assez jeune. Je me suis engagé sur des convictions. Et puis ensuite, j'ai été un élu local. J'ai été 6 ans adjoint au maire du 20e arrondissement. Et puis depuis 3 ans, je suis adjoint au maire de Paris. Donc j'avais l'occasion là, d'être sénateur et de porter les mêmes convictions dans une enceinte parlementaire nationale. Et Jean-Luc Lemoyne s'est intéressé à votre côté militant. Il y a plein de choses. Déjà, David Assouline, pour moi, c'est plein de souvenirs. Parce que déjà 86, de Vaquer, si tu savais, ta réforme, on se la met. J'ai fait des études, contrairement à toi. Et pour être honnête, j'ai fait les manifs parce que j'avais suivi une fille. Mais après, je me suis occupé des enfants de David Assouline en maternelle. Je m'occupais de ses enfants parce que, avant de faire la télé, j'avais un métier honnête. J'étais adjoint d'animation à la ville de Paris et je m'occupais de ses enfants. Et ils étaient comment, les enfants? Ils ressemblent. Ils disaient, moine, ta gueule. Non, ils étaient très bien, sauf qu'ils n'avaient pas de cartable, ils avaient des pancartes. C'était chiant. Et donc, on l'a connu en 86, vous étiez contre la réforme de l'université. Vous êtes désormais membre du Parti Socialiste dans le courant d'Arnaud Montebourg, qui est contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Vous êtes aussi contre le projet de constitution européenne.
En 88, Pierre Mauroy vous propose d'être député de l'Essonne. Vous avez dit non, donc vous étiez contre être député. Là, vous étiez contre le Sénat, finalement vous y êtes. Donc finalement, vous êtes certainement l'homme politique le plus contre de France. Donc on voulait vous remettre un prix d'homme le politique le plus contre, mais il y a un challenger qui a appelé en disant non, c'est moi le plus contre, c'est Philippe Devilliers, qui, je vous le rappelle, est contre le mariage gay. Merci contre pour l'entrée la comparaison. De la Comment ? Merci pour la comparaison. Non, mais justement, pour avoir ce prix de l'homme politique le plus contre, est-ce que vous pourriez, en toute mauvaise foi, parce que je suis sûr que si on pousse un peu, vous pourriez être contre aussi le chômage ou contre la guerre, mais... avoir les chicanes. Défendre quelque chose de plus impressionnant. C'est-à-dire qu'en toute mauvaise foi, il faudrait que vous fassiez un petit laïus pour expliquer que vous êtes soit, au choix, contre la paix dans le monde, contre l'amour, ou contre vous-même, contre vos propres idées. Non, je peux pas. Donc parce vous êtes que... contre ma proposition. Ça, c'est pas mal. Donc, prenez fait, je pense qu'on peut vous remettre le diplôme de l'homme politique le plus contre de France. Félicitations. Christine. C'est marrant parce que... moi, j'étais au Matin de Paris en 85. Vous vous souvenez de moi? Ah, les casseroles! Minoude maintenant! Mais ça suffit, Christine! Il n'avait pas les cheveux, il n'était pas coiffé complètement comme ça. Il avait un look, c'était un mec de gauche, un mec d'extrême gauche. Et il se trouve que je moi. Je suis resté hein, de gauche. Mais d'extrême avant. Et c'est extraordinaire comme ces mecs, qui étaient des mecs d'extrême gauche, arrivaient à. C'était une secte, hein, à te prendre la tête et que tu les suivais. Parce qu'ils avaient des belles gueules, faut bien le dire. Parce que, oui, il y avait une sorte... Moi, à un moment, j'étais à l'OCI, simplement, parce que j'étais tombée amoureuse d'un des mecs, des leaders de l'OCI. J'étais dans la fac de Jussieu. Ils draguaient les nanas pour les ramener dans leur truc, et les nanas draguaient les mecs aussi. Est-ce que c'est pas vrai que l'extrême gauche avait un mode de recrutement un peu... sexuel dans les années 75, 76 Bon, moi, franchement... Il est père de famille, il y a sa femme, ses enfants qui l'écoutent. Ah, c'était non. Avant. Non. On a 3 ans d'écart. Moi, j'essayais de convaincre, et peut-être que... Mais que... vous étiez très militant, très... Ah oui, je suis resté très militant. Ouais, mais au Sénat, vous êtes encore un des rares qui... Oui. Philippe Gueluc. Mais moi, je me demande, puisque vous êtes contre beaucoup de choses, je me demande pourquoi vous êtes dans le mouvement général. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la politique, l'emploi le plus noble, en tout cas le plus efficace, le plus actif, le plus proche des gens, c'est celui de la municipalité. Et visiblement, le parcours de tous les hommes politiques, c'est d'aller vers le haut et de s'éloigner des gens, en montant soit dans les arcanes du parti, soit dans les grades politiques. Je me demande pourquoi vous le faites si rapidement. Non, d'abord, je n'ai pas décidé d'arrêter d'être un élu local. Je vis dans le 20e arrondissement de Paris depuis, 22 ans. Je m'occupe encore de la démocratie locale dans le 20e. Ça veut dire que tous les mardis, je suis devant des conseils de quartier, de citoyens des différents quartiers du 20e, qui râlent, qui demandent des comptes, à qui je réponds. Et ça fait maintenant presque 10 ans et je vais continuer. Et que vous allez représenter au Sénat, finalement. Oui, c'est aussi ça que je vais représenter au Sénat. Jean-Bernard Hébé. C'est Albert Camus qui disait que la réussite... c'est faire à l'âge adulte ce que l'on a rêvé de faire adolescent. Alors, est-ce que vous avez réussi ? Il veut vous demander sénateur, si... sénateur, je ne l'ai jamais rêvé. J'ai plutôt rêvé d'être archéologue. Il y a deux choses que les enfants ne disent jamais qu'ils veulent faire plus tard quand ils sont grands. C'est sénateur et médecin légiste. Non, gamin, je voulais être archéologue. Puis, Marqué au Sénat, il y a des reliques, il y a des momies. Il y a beaucoup de voilà l'explication. Quel est votre meilleur pote à droite? C'est une bonne question. Non, quel est votre meilleur pote? Est-ce que vous avez des amis? Voilà. J'ai pas de pote au sens partager des choses comme on partage avec les amis. Très bien. Alors, quel est votre plus grand ennemi à gauche? Non. J'ai pas d'ennemi à gauche, mais celui qui m'a le plus déçu dans la dernière période, que je pourrais pas m'identifier, ça a été Jean-Pierre Chevènement. En tout cas, vous n'avez pas beaucoup d'amis, droite, gauche, ça a l'air d'être un peu confus, mais vous avez toute l'amitié de ma grand-mère. Ancienne trotskiste. Mais pas du tout, ma grand-mère qui est très fière. Je te rends compte, un juif au Sénat est hyper fier. Donc voilà, au nom de ma grand-mère. Ça, j'aime mieux te dire que l'analyse politique par les affaires. Et
Vous savez qu'il y a quelques jours, c'était la nouvelle année juive. Oui. Donc voilà, une année qui commence bien pour vous. Shana Tova, Mazel Tov, tout ce qui s'en suit. Bah alors, vous êtes... Non, mais il y a simplement des citoyens français au Sénat. Mais bien sûr, c'est comme si tu avais un pote d'école ou un Belge. T'es super supporter des Belges. D'ailleurs... Il n'y aura jamais un Belge au Sénat. Enfin, dès qu'il y a un Belge quelque part, c'est la folie, quoi. C'est quoi votre réaction quand vous entendez ça? Non, moi, ma réaction, c'est vrai que je suis d'abord un citoyen français, mais en même temps, quand je suis rentré au Sénat, j'ai eu une pensée pour mes parents. Et c'est pas par hasard, parce que je suis né dans un village de montagne au Maroc, et que certainement l'honneur que ça a dû procurer à mes parents est plus important que même moi, ce que j'ai pu ressentir, parce que quand on a vécu ce parcours, c'est un honneur que la République ait pu reconnaître aussi cela. Parfait. Il y a quelques années, on aurait dit bonne sieste au Sénat. Maintenant, on va vous dire bon travail, puisque les choses semblent changer. Merci. David Assouline. Merci. Sophie Garel, ici présente, aime lire et ça tombe bien puisque chaque semaine on lui confie un livre qu'elle lit pour nous et cette semaine elle va nous parler de ce nouveau roman signé Nathalie Reims, coédité chez Fayard et Léo Cher et paru le 20 août dernier. Ce livre s'appelle Le rêve de Balthus, c'est un roman qui, sous certains aspects, peut faire penser au best-seller Da Vinci Code, en tout cas c'est ce que nous dit une certaine presse. Avant de vous écouter ma chère Sophie, nous allons accueillir sur ce plateau l'auteur du rêve de Balthus, voici Nathalie Reims. Bienvenue sur notre plateau. Asseyez-vous, je vous en prie. Pourquoi vous faites Vous avez peur? Non. Oh. Non, j'ai pas peur. Pourquoi vous faites alors? Parce que je racle un chat que j'avais dans la gorge. Vous avez du reste du chat dans la gorge de ce que vous avez sur le crâne. Voilà. Ok, je comprends mieux. Allez, c'est fini. Le sujet est clos. Comment elle s'appelle, la chanteuse, là? Ça me revient pas. Ah oui, Bonnie Tyler. Ah, voilà, Bonnie Tyler. Eh ben, elle est formidable, Bonnie Tyler, et vous êtes tout aussi formidable qu'elle. Merci. Sophie, vous avez lu pour nous Le rêve de Balthus. Alors l'histoire, c'est une jeune fille, Léa, qui ressemble étrangement à l'auteur, Nathalie Reims, une très belle personne qui est choquée. On sent qu'elle porte des valises, qu'elle a des problèmes, des drames, on va le savoir au cours de la lecture. Elle rêve, on ne sait plus si elle rêve, si elle ne rêve plus. Et elle voit dans son rêve, éveillée ou pas, elle voit... dans l'immeuble en face, le fameux rêve de Balthus. Donc, elle se donne la peine de traverser la rue, d'aller voir un monsieur qui ouvre la porte, monsieur Charmant, et il lui explique que l'ange qui tient une rose trémière, et non pas crémière, comme disait ma mère, trémière à la main, cet ange-là représente un peu sa fille de 12 ans, qui a disparu. Et il lui demande de l'accompagner à Venise avec la nounou de la jeune fille disparue. On arrive à Venise et on est introduit au centre d'une confrérie. Une confrérie qui a existé, semble-t-il, puisque Maurice Reims, le père de Nathalie Reims, avait fondé cette confrérie de Saint-Ursule avec Balthus lui-même. Et là, il y a plusieurs personnes qui sont en quête de l'immortalité. Et là-dedans, moi, je m'y retrouve parce que c'est dans les tableaux que je trouve mon immortalité. Et c'est là où j'ai rejoint de très près la culture, la finesse. Vous en parlez très bien, mais je ne suis pas sûr que vous allez en faire vendre beaucoup. Vous savez, Laurent, ce qui est rassurant, c'est que Christine ne comprend pas grand-chose, mais pas seulement en humour. Là, elle m'a dit « je comprends rien ». Comprendre ce livre, c'est compliqué. C'est un livre compliqué. Ce que tu en dis est compliqué. C'est un livre compliqué, mais je l'ai compris, donc ça peut être à la portée de beaucoup. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce que dit Sophie? Non, c'est juste, à la fois juste, sauf que je trouve que c'est pas si difficile à lire que ça, mais parce que je l'ai écrit, donc c'est normal. Vous l'avez lu aussi? Je l'ai lu. Après l'avoir écrit. Après l'avoir écrit, et je crois que si... Bon, c'est une porte qui s'ouvre sur une autre, c'est un peu labyrinthique. Ah oui. Et c'est vrai que si on rate une porte, on est un peu perdu dans le labyrinthe. Mais j'ai relu plus d'une fois ces pages, mais ce que je vous dis, ce qui est merveilleux pour moi, et j'aimerais que les gens ressentent la même chose, c'est l'art de regarder un tableau. Quand vous défilez dans un musée et vous dites « Ah oui, la Joconde, ah bon, ici, petit chien, là, là. » Vous ne comprenez rien à la peinture. Là, j'ai tout compris de ce livre parce que, effectivement, l'art perdure. Bon.
Vous connaissez Nathalie Rasse, Christine ? Non. On s'est un petit peu causé au maquillage et on s'est amusé. Et je... Bon, j'aimais déjà bien l'écrivain, mais j'ai eu un petit coup de foot pour la nana. Pourquoi ? Oh là là ! Mais tu bouffes à tous on les rappeliers ! Mais t'es une malade ! Parce bon. Que elle est, quand elle est au maquillage, c'est une... Je sais pas, elle est lumineuse, elle a l'air marrante, hein ? Mais elle est... Oui, pourquoi ? Non, non. Mais sous prétexte que quelquefois, on écrit des choses un peu... Voilà. Profonde, on est censé être sinistre. C'est ça. Et donc je me suis dit, moi, tiens, j'adore on rigoler. Va s'emmerder. Mais je sais, je vois bien. Hein eh, puis j'en alors, pleure, vous d'ailleurs. Pas là. Elsa Fayer, est-ce que ça vous tente alors de lire, après ce que vient de dire Sophie, Le rêve de Balthus ? Oui, carrément, parce que j'adore l'univers mystérieux, la magie, le surnaturel, le fantastique. Donc je suis très attirée, en plus, je suis assez mystique. Oui, mais enfin, tu vas tout de même passer de Harry Potter à Nathalie Rasse. Eh bien, ça va me faire un super grand écart. Et comme je suis extrêmement souple, je vais pouvoir rejoindre le bouquin de Nathalie Rasse. Non, non, mais moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est lorsque j'ai vu, que j'ai lu un petit peu votre bio, et j'ai découvert le cérémonial que vous officiez pour écrire. Alors, c'est carrément, mais c'est très, très précis. Vous écrivez pendant 7 mois. Oui. Vous vous levez à 5h30 du matin pour écrire. Oui, oui. À peu près. À peu près, vous écrivez toujours sur le bureau de votre frère, qui était avocat. Oui. Uniquement sur celui-ci. Oui. Et alors, ce qui m'a le plus interpellée, c'est que vous écrivez uniquement à la main. Mm-hmm. Vous n'êtes pas la seule, mais c'est vrai que ça me fascine toujours. Et vous écrivez uniquement sur du papier velouté, d'une marque qu'on connaît tous, 90 grammes. Ça, je sais pas, c'est un peu exagéré, mais... Quadrillé enfin, du papier et quadrillé perforé. Des colliers, quoi, voilà. Oui. Écrire à la main, mais c'est très quoi, rare, c'est... les écrivains qui écrivent avec leur nez, hein, tu sais. Donc, bah, l'ordinateur, couillon. Non, mais j'ai pas d'ordinateur, voilà. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas d'email, j'ai pas de... Je sais pas m'en servir, toute mais façon. Mais c'est quoi, c'est presque des tocs, c'est du fétichisme, c'est... Non, c'est un rite, on a tous des rythmes, il y a tous des heures où on est plus clair que d'autres. Moi, le soir, faut que je dorme, je me couche, je suis pas une... Fêtarde, j'ai horreur de sortir, donc je m'endors tôt, je me lève tôt. Parce que tôt, il me semble qu'il se passe plus de choses dans ma tête, et peut-être parce que tôt, je me réveille, justement. Donc je viens de rêver ou de faire des cauchemars, et ça m'aide pour écrire. Le rêve de Balthus. Jean-Bernard, tentez. Moi, je voudrais savoir si ça n'est pas lourd pour vous de faire partie d'une famille où tout le monde est artiste, votre père était... C'est bateau comme question, franchement. C'est pas... C'est bateau comme question. Oui, mais j'aimerais avoir votre réponse. Il vient d'une famille de marins. C'est normal. Mais oui, voilà. Mais non. Vous savez, le truc qui consiste à dire « Ah, c'est tellement épouvantable, j'ai eu un père ou une mère tellement connue, c'est tellement lourd à porter. » Mais non, bien sûr que non. C'est une chance extraordinaire d'être née avec un père comme j'ai eu et d'être forcément, il nous a appris à regarder, moi peut-être la peinture, à transmettre sa passion pour l'écriture, ma sœur fait de la photo. Il nous a appris à regarder, voilà, c'est tout simplement. C'est Maurice Rasse, de Bettina Rasse, voilà, évidemment, il faut le dire. Apporter un regard peut-être sur les choses, mais quelle chance en effet de naître. Et donc ce tableau, c'était un tableau que vous pouviez voir quand vous étiez petite. Oui, c'est vrai, mais ça aurait pu être n'importe quel tableau, parce que je pense que non, même dans l'abstraction, dans la peinture abstraite, on peut très bien inventer une histoire qui se passe dans le cosmos. C'est une façon différente finalement de prolonger la peinture et d'en faire autre chose. Sophie ? Oui, moi, j'ai eu la chance de connaître votre père, qui était un séducteur. On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble. Oui, alors à ce propos, je voulais juste vous dire que je sais que la dernière émission de radio qu'il ait faite, c'était avec vous et vous aviez envoyé quelqu'un le chercher. Et voilà, ça lui avait fait très plaisir. Bon, et ben, tant mieux, parce que c'est vrai que c'était un être exquis, je dois dire. Et très drôle. Et avec une lumière dans l'œil. Et pétillant, un homme à femme. Il n'y avait pas une femme qui pouvait lui résister. Oui, et je me souviens, je lui disais, je pars pour Venise. Il me dit, mais venez donc. Il m'avait donné son numéro à Venise. Ça m'étonne pas. Et il m'avait dit, quand vous irez au musée, vous verrez, il y a un tableau, je ne sais pas si c'était d'André Dalsart ou du Titien, c'est le portrait de mon fils Louis. Et c'est le jeune homme et la mort. Voilà. Et je me suis dit, un homme qui non seulement vous regarde avec des yeux de velours, qui vous invite à Venise et qui, dès le départ, vous parle de cet enfant perdu à travers... Mais mon Dieu, il m'avait dans la poche et ailleurs. Mais évidemment. Non, il était exquis. Et il avait 90 ans, hein. Attends, c'était pas... Jean-Luc Lemoine. Laurent Ruquier. Ouais. Je vous demande pas de truc sur le PSG, là, je vous demande un truc sur l'art. Oh bah alors là, vous êtes mal. Non, mais moi j'ai lu un bref résumé, c'est vrai que moi ça me donne vachement envie de lire, je crois que je vais casser ma télé. Et puis je me suis intéressé à votre vie, c'est aussi passionnant que le livre, hein. On a l'impression que vous avez vécu plusieurs vies, même quand vous étiez enfant, on raconte que votre père vous emmenait uniquement dans les musées
ou dans les cimetières. Donc déjà un gros sens de la déconne. Mais on a beaucoup rigolé parce qu'on allait voir les statuaires de femmes à poil, parce que vous savez qu'il y en a énormément dans les cimetières. Ah non, j'y vais, mais j'y vais demain. On va vous remercier. Merci beaucoup. Et conseiller, d'après Sophie, ce livre, Le rêve de Balthus, c'est chez Fayard Léocher, signé Nathalie Rame. Merci beaucoup. Merci. Notre séquence musicale avec Jean-Bernard Hébé et quelques CD sortis cette semaine. Parlez-nous d'abord du CD de Rachida, Jean-Bernard. Alors, c'est très embêtant parce que c'est encore une de ces choses dont on ne peut pas ne pas dire du bien. C'est obligatoire. Parce que si on ne dit pas du bien, on dit oui, comment ? T'es anti-beurre, t'es anti-jeune, t'es anti-maghrébin, t'es anti-ci, t'es anti-ça. Or, le titre, t'es qui toi ? Moi, je n'ai pas aimé du tout. En revanche, attends, laisse-moi finir. Ah non, mais ça va tomber. Bon, d'accord. Fasciste. Fasciste. T'aimes pas les jeunes. T'aimes pas les arabes. T'aimes pas les gars. T'aimes pas la musique. C'est religieux. Tu t'es regardé avec ta barbe. C'est la même. Mais justement, monsieur, j'ai la barbe. Non, c'est la même chose que quand il était dans Carte de séjour et on a connu qu'un titre qui était 12 France. Mais non, les 12 France, c'était nul. Ce qui était bien, c'était les autres titres. Mais oui, c'est pas parce que c'est un grand succès. Mais si, c'est un grand succès, c'est les gens qui aiment. Mais le papier de toilette, ça se vend aussi, c'est un grand succès. Mais t'en as besoin du papier de toilette, relou, tu t'es pas avec tes doigts. Mais comme ça pour parler de la musique. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je dis que sur les 12 ou 14 ou 16 titres qu'il y a, 12. Eh bien, vous m'avez donné T'es qui toi, que je trouve pas bien. Ah. Alors qu'il y a un truc qui est formidable qui s'appelle Safi. Il y a plein d'autres titres qui sont formidables. Et brusquement, on prend celui qui est le plus caricatural, le plus commercial, le plus facile, le plus évident et tout. Et tout le monde doit en dire du bien parce que minorité, parce que si, parce que ça. Wow. Eh bien, s'il faut que quelqu'un le dise... T'es fort, t'es un héros, vas-y, fais-le. Mais je suis pas un héros. Ce disque est bon, sauf le titre qui est un succès. Bon. Allez-y, passez-le, vous allez voir. Béa, bas. Il y en aura de la bavure. Et des collés au mur. Et dans ce tas d'ordures. Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi ? Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi ? Y aura-t-il des langues de bois ? Des sels en tout cas, y en aura. Du sang qui coule, y en aura pas. T'es qui toi, t'es qui moi ? T'es pas qui, t'es pas quoi ? T'es qui toi, t'es qui moi ? Mais toi, t'es qui, t'es quoi ? Eh ben moi, je suis d'accord avec toi. Et je suis pas anti-jeune, anti-beurre, anti-minorité. J'aime pas ça. En gros, vous n'aimez pas la chanson phare de l'album qui sert de titre à l'album, mais vous préférez les autres chansons. Il est formidable quand il fait ce qu'il sait faire, sa culture, sa musique, les ensembles égyptiens, là c'est formidable. Quand il fait du beurre de banlieue à 3 balles, c'est minable. Philippe, un mot. Non, moi ce que j'aime, c'est le titre « T'es qui toi ?» Ça fait penser au « Qui qu'a déconné ?» ou « C'est qui qu'a dit quoi ?» On passe à un nouveau single de Plastic Bertrand, le retour de Plastic Bertrand, un extrait d'un album à sortir qui s'appellera Ultra Terrestre. Et la chanson s'appelle Plasticubration. Regardez. L'album Ultraterrestre, la chanson Plasticubration. C'est l'adaptation d'une très vieille chanson italienne d'Adriano Celentano qui s'appelait... Salutation, voilà. Alors. Et c'est Plastic Bertrand qui l'a refait. Ben, c'est toujours le même Plastic Bertrand. Maintenant, il met des lunettes, il s'habille comme ça. C'est sympathique une fois, c'est Plastic Bertrand le retour, en gros. J'ai écouté tout l'album. Là, il est très concerné hein, dans cette chanson. Il a tous les thèmes gauchisto, écolo, machin. Il dit que des trucs formidables, lui aussi, très bien pensant. Tout le monde est bien pensant. Oui, ça va effectivement amuser les enfants si on leur dit « Tiens, écoute comment ce qui se faisait déjà dans les années 70 et ça devrait leur plaire. » Christine ? Ouais, moi, je suis un peu nostalgique des années 70. Donc, ouais, j'aime bien. Tu vois, Gueluc. Cette génération-là. Ouais, moi, je... C'est-à-dire que, bon, mais je le connais personnellement, donc je... Ah, voilà. Il est belge, comme vous. Oui, mais c'est pas pour ça que je le connais. Mais... Tous les Belges ne se connaissent pas non Sophie, plus. Alors, pas Sophie, alors, non plus, mais donc... Bah, moi, je trouve que c'est sympathique. Il a au moins une conduite. Et vous, Elsa ? C'est de la soupe. De la soupe. Non, mais il est dans son délire. C'est bien qu'il y reste. Il a son petit univers. Enfin, moi, je trouve ça pas intéressant, ni musicalement, même si le personnage est très sympathique. C'est dommage, parce que voici Plastic Bertrand.
On aura fait que j'explique quand même aux téléspectateurs du Plastique. Salut, on aura fait un coup en dame parce qu'évidemment personne sur ce plateau ne savait que Plastique Bertrand était en coulisses. Il a entendu tout ce que vous avez dit. Ah bah non, c'est bien. Commencez par Elsa. Vous avez entendu ce qu'elle a dit de la soupe? Elle a dit de la soupe. Alors, je suis désolée. Je vais t'en mettre une grande louche, tu vas voir. Alors, j'ai une autre personne à l'intérieur de moi, de temps en temps. C'est vrai, c'est pas toi. Oh, il se sent, mais regardez-la. J'aime bien ça quand ça se démonte, j'adore. Elle s'appelle Elisa. Elle est extrêmement méchante, virulente et violente. Elle est idiote en plus. Elle dit que des conneries. Elle est idiote. Je sais pas pourquoi, elle est arrivée comme ça, sans prévenir. Et là, tout à coup, ça y est. Et elle est mauvaise. C'est pas la même fille, c'est pas la même. Ça y est, c'est bon. Et Jean-Bernard Hébé, il a quand même dit que bon, c'était bien pensant. Non, mais j'en ai pas dit du mal. Attends, j'ai peur. Ah non, Jean-Bernard, c'était monstrueux. Non, c'était monstrueux. Je pensais pas qu'elle pensait ça de moi. C'est pas possible. Non, non, vous pouvez. Enfin, vous pouvez me faire beaucoup de reproches, mais quand j'aime pas quelque chose, je le dis réellement. Je n'ai pas dit vraiment du mal de Plastique Bertrand. Ça aurait pu être pire. Voilà, je dis que c'est vrai. Je dis que c'était un album. Je l'ai écouté entièrement ce matin. Il y a une reprise, en gros, de tous les sons qui se sont faits depuis les 10 dernières années. Mais justement, c'est une forme de liberté, ça. Absolument. En fait, moi, quand j'écris cet album, je me suis dit, je fais ce que je veux. Absolument. Je veux sortir de la musique formatée qu'on nous impose à travers tous les jeux, les crochets. Donc, je fais ce que je veux sans me soucier de savoir si c'est in, out, has been, never been. Je m'en fous. Je fais ce que je veux et c'est ma liberté. Absolument. D'avancer. Sophie. Sophie. Si tu m'avais tué, je t'aurais jamais pardonné. Ah ben non, je peux pas dire du mal de Plastique Bertrand. Vraiment, Christine, c'était trop bien, ça. Voilà. Les meilleurs sont là, tu vois. Vraiment, Christine, t'es formidable. Mais j'aime bien, très bon album. Vraiment, j'adore. Et puis, alors... Gueluc, c'est un beau salaud. C'est un beau copier. Il a rien dit de méchant. Il a rien dit de méchant uniquement parce que vous êtes belge, il a dit. Oui, parce que c'est un ami. Mais moi, je méfie des amis. Là, quand même, il y a... Je confesse que j'ai rien dit de gentil non plus, mais c'est un peu salaud. Non, mais moi, je l'aime aussi, ce garçon. Je l'ai vu naître. Artistiquement. Oui, il peur, là. C'est important dans cet album, en fait, et je reviens à ce que Jean-Bernard disait, c'est mon univers à moi, quoi. Et j'essaie de convaincre les gens. C'est mon but, c'est de communiquer, donc je communique ce que j'ai en moi. Je ne vais pas m'inventer une personnalité que je n'ai pas, quoi. Mm-hmm. C'est moi, et c'est moi. Il y a 20 ans, j'étais comme ça, il y a 20 ans plus tard, c'est toujours moi, avec mes idées. C'est mon univers, moi. Sentimental-moi. Plastique Bertrand, son nouvel album s'appelle Ultra Terrestre. La chanson dont on a vu un extrait du clip, c'est Plastique Cubration. Et c'est une petite séquence qu'on a inaugurée ce soir. Méfiez-vous. Oh là 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 là. C'est dur maintenant. Alors maintenant, chaque fois qu'elle dit, on dit c'est sublime. À part Jean-Bernard qui le fait à l'arbre. Mais amenez-moi Rachid Tah, je vais lui dire en face. Non, mais toi, t'es voyou. Attends. Rachid Tah, c'est un mec exceptionnel. J'ai envie de faire des choses avec lui. C'est un mec ouvert sur le monde. C'est un mec que j'adore vraiment. On peut pas dire du mal à un mec comme ça. Vous m'avez fait un sale coup là. Alors toi, vraiment. Non, mais en plus, non, mais j'adore. On n'est pas fâchés. Je vous fais un petit bisou parce que j'ai été trop méchante. Allez, on j'ai pas tout perdu. Merci Jean-Bernard et merci et bravo Presse. Merci Laurent. Salut Plastique Bertrand. Le 6 octobre, la semaine prochaine, sortira un film de Charles Némès intitulé Le Carton avec Vincent Dessania, Bruno Salomon, Omar et Fred et notre ancien champion de judo, médaille d'or à Atlanta, Jamel Bourras. L'histoire, c'est celle d'un déménagement qui tourne mal, il tourne même au cauchemar, on peut dire. Et après avoir défilé sur les podiums, eh bien, notre invité, il va nous rejoindre, Jamel Bourras, s'essaie avec succès à la comédie. C'est une belle reconversion après le judo, le cinéma. David Douillet doit faire la gueule et regretter d'avoir choisi Porteur de sac de Bernadette Chirac. Pour tester ensemble le carton, accueillons tout de suite Jamel Bourras. Salut. Vous venez où? Là. Très bien. Ici. Toi, tu ne m'approches pas. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui c'est se passe? C'est rare qu'elle dise tu ça. Pourquoi, vous avez été caméraman, vous aussi? Non. Vous l'avez reconduit chez elle? J'ai remarqué que j'avais un pote ici. Là. Ah, parce que vous aussi, vous l'avez ramené? Ouais, je l'ai ramené. Il m'a ramené. Je l'ai blessé, en fait, une fois.
Qu'est-ce que vous lui avez fait? Non, elle m'a harcelé, elle m'a harcelé. Elle vous a harcelé? En plein Maroc, elle m'a harcelé. Je t'ai pas harcelé, je t'ai dit, fais-moi une prise pour voir. Non, et moi j'ai dit non. Genre. Il a dit non, j'ai un peu insisté, mais gentiment. Beaucoup insisté. C'est pas le genre. Non, je Non, elle n'arrête jamais de faire la même chose, c'est pas... Donc, en fait, bref, elle est tombée et puis elle s'est vrillée le genou. Non, je suis pas tombée. Il m'a attrapée, il m'a jetée par terre, j'ai boité pendant un mois et demi. Le carton, c'est le titre du film qui sort mercredi prochain avec une belle affiche. Des gens qu'on aime bien, Vincent de Sagny, complice, on le sait, de Michael Youn, mais qui est un comédien à part entière et qui est très très drôle. Bruno Salomon, Omar et Fred. Et vous, alors, Jamel Bourras, c'est pas votre première fois quand même sur grand écran? Si, j'ai eu beaucoup de sollicitudes là-dessus, mais là, c'est la première fois en fait que. Jamais. Excuse-moi. Hein. Sollicitation. Excusez-moi, je me suis trompé. tu m'as tellement embrouillé. J'ai tellement une sollicitation. On vous a souvent demandé, mais vous avez rarement accepté, en fait. Ouais. Et le carton, il faut le dire, a été un énorme succès au théâtre avant de devenir cette adaptation cinématographique, donc la comédie qui déménage, le carton. On regarde un extrait dans lequel on voit Jamel Bourras. Allez. Ah non, c'est pas à nous, ça. Putain, quand il va arriver, il va se prendre une froide directe. Ça fait une plombe qui fait chier toute la rue. Ah merde, je gêne. Tu veux pas garer ma voiture? Quelle voiture? Dis-moi, espèce de bouffon, on a toi la voiture, là? C'est pas ta voiture. Comment ça, c'est pas ma voiture? Bon, on va continuer, nous. C'est pas notre voiture, monsieur. Hein. Faut la garer, c'est la voiture de ma mère. On s'en va. On va prendre péter la voiture à ma mère. Allez! Ah oui, quand même, alors C'est le rôle d'un acteur, hein. Sinon, c'est un sage dans la vie, en fait. C'est un rôle de composition. Exactement. Voilà, disons-le. Je crois que Jean-Luc Lemoyne, vous avez vu le film? Oui, j'ai vu le film, et puis j'avais très peur en allant, parce que je me suis dit, si j'aime pas Jamel, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la question qu'on se pose, c'est, peut-on être honnête avec un champion du monde de judo? Je ne sais pas. Et puis, heureusement, il est vachement bien. Et dès qu'il arrive sur l'écran, à l'écran, il y a une autorité naturelle... Qui se dégage, il est... Non, ouais. C'est... Il m'a dit le contraire dans les coulisses. C'est vachement bien. C'est la façon de casser les voitures, force le respect. Et puis, il a une vraie gueule de ciné. On dirait Mathieu Kassovitz qui aurait fait du sport un petit peu. C'est des... On m'a souvent confondu. Ouais, j'ai signé des autographes à la place de Mathieu Kassovitz. En plus balèze. Ouais. C'est ce que je leur dis à chaque fois. Moi, pareil, avec Jean Galfion. C'est marrant, ça. Et puis, c'est léger, mais dans le bon sens du terme. On passe un bon moment. Je suis pas sûr que ça aura tous les Césars à la prochaine cérémonie, mais je suis sûr, en tout cas, que ça va faire passer un bon moment aux spectateurs. Elsa Fayer. Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça canon. Ah ouais. Mais alors, canon de chez canon, ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri devant un film. Bah, ça va peut-être vous paraître un peu présomptueux, mais moi, ça m'a fait penser à l'équipe du Splendide, au film comme Le Père Noël est une ordure. Mais voilà, moi, je pense que ça peut être un film comme ça. Aussi, hein. Elle veut pas une crise, elle veut une immobilisation. Moi, j'ai pas un très grand rôle là-dessus. Mais quand j'ai regardé le film après, franchement, je me suis éclaté de rire. Bon. Ah ouais, mais voilà. La salle en plus, c'était tout le monde riait, les gens se sont levés à la fin pour applaudir. Enfin, c'était vraiment génial et c'était un public de journalistes. Alors, ça laisse présager que ça fera un carton. Sophie Garel, j'ai l'impression que c'est moins votre cam. Ah, comme moi, disent dans les jeunes c'est aujourd'hui. Pas ta cam? Non, enfin, mais ça m'a fait penser un peu au film des Charlots. C'est léger, c'est rigolo. C'est... film de Charlots, mais quel rapport! À l'époque. Tu joues ta vie. Ah, mais bon, la salle, c'était pas la même que la tienne. Personne n'a applaudi. Ah, ils ont mangé les fauteuils. Non. Ben, tant pis, moi, je suis allée dîner en ville, mais... c'est vrai que c'est un film extrêmement sympathique. C'est peut-être un film, pardon, sans vouloir vous offenser, ma chère Sophie. C'est un film de mon âge. Un film de génération, un film générationnel. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, génération? C'est que je suis l'ancienne. Qu'est-ce que tu me dis, là? Voilà. Voilà. Mais non. Moi-même, je n'ai plus l'âge des jeunes de 20 ans et je ne suis pas intéressé par les mêmes films. Je ne suis pas croulant pour autant, oui. Sophie. Oh, voilà. Tu vas voir, ça vient vite. Mais d'accord. Christine, quoi? Je vous laisse entre les mains de Jamel Bourras. Non, une fois suffit. T'es pas un peu nostalgique quand même de...
des années sport, championnat, du tout. Ah non, non, si, quand même. Mais surtout, je vois avec les résultats qu'ils ont fait en Grèce. J'allais y venir, hein, c'est la déconfiture en judo. Ouais. Hein. Je suis un peu déçu et ça m'attriste un peu pour l'équipe de France parce que je crois qu'on mérite pas ça. Alors pourquoi t'as arrêté en vrai? T'étais un peu jeune quand même pour arrêter. Mais le problème, c'est qu'on a fait de moi un rebelle. En fait, j'ai toujours été un bout en train, un mec qui aime bien s'éclater, rigoler, tout ça et tout. Mais le problème, c'est que quand t'as 18 ans, 19 ans et t'as une première sélection en équipe de France et que t'as rien demandé à personne, tout ça parce que tu t'appelles Jamel Bourras et que t'as dans les titres leader plutôt que dealer. Donc à un moment donné, et ça a toujours été comme ça, tu vois. Tu reviens avec une médaille d'argent pour la France, t'es content, c'est l'argent du beurre, etc., etc. Donc à un moment donné, tu leur dis, écoutez, c'est pas juste, et tu dis, oh là là, t'es un rebelle, toi, t'es relou, tu vois, à un moment donné. Mais quand même, pour la crédibilité, est-ce que tu peux redire ça en disant, je suis un bout en train, en rigolant, parce que là... parce que c'est des mauvais souvenirs, et des bons en même temps, évidemment. Donc là, vous avez une explication à la déconfiture de nos judokas, là-bas, à Athènes. Je crois qu'il y a un encadrement qui a pas trouvé ses marques. Et je crois qu'eux, en fait, ils mettent la faute sur les athlètes, alors qu'un peu, je crois qu'ils sont un peu fautifs aussi. Je crois qu'il y a des entraîneurs qui sont arrivés et qui sont en train de régler des comptes, alors que quand on veut des résultats en équipe de France, il faut plus se concentrer sur les athlètes pour leur réussite que sur leurs problèmes qu'on a eus auparavant. Alors revenons au cinéma. Est-ce que c'est là un amusement, un coup, ou est-ce que c'est une vraie envie de devenir comédien? Ouais. Parce qu'en fait, ça m'a plu. C'est mon premier essai. J'ai eu beaucoup de sollicitations. on m'a beaucoup sollicité là-dessus. J'ai eu au moins une centaine de scénarios. Et le problème, c'était beaucoup des scénarios clichés à chaque fois. Justement, vous avez dit, on vous proposait souvent le maghrébin beau gosse qui tombe amoureux de la bourgeoise. Ouais. Moi, je ne suis pas maghrébin, mais est-ce que je peux récupérer vos rôles, s'il vous plaît? Parce que vous, ça a l'air de vous déranger, moi, le beau gosse qui séduit la bourgeoise, j'aimerais bien. Ouais, mais le problème, c'est beau gosse. Ben, je sais, mais attends, c'est la fiction, je suis comédien. Il y a des effets spéciaux, remarque, t'as raison. Bien sûr. Le carton sort mercredi prochain. Un film de Charles Némès avec Jamel Bourras dans le rôle de Didier le livreur. Ah, exactement. Voilà. Okay. Restez encore avec nous parce que c'est pas fini pour vous. Là, on n'a pas mis de tapis, on n'a pas mis un autre judoka, mais vous allez quand même devoir affronter quelqu'un qui vient avec des cartons lui aussi. Jérôme Bonaldi. Je suis, au nom d'une délégation, venir vous dire merci. Merci, Jamel Bourras. Merci. Merci d'avoir appelé votre film Le Carton. Parce que ça va permettre enfin de réhabiliter Le Carton. Je vous présente Eric. Eric, venez, approchez. C'est le pompier de service d'ici. Le Carton, mal aimé, mal connu, décrié. Méfiez-vous, Benel, comme tous les pompiers, il est un peu pyromane. Par exemple, on dit souvent que Le Carton, ça brûle. C'est faux. Eric, mettez un vrai chalumeau avec une vraie flamme, ici, voilà. Le carton, ça ne brûle pas. Celui-ci, il est écarté, il est classé M1. Regardez, on fait sur la tranche. Ah. C'est ta chemise, là, qui va cramer. Hein. Bah, ma chemise, elle aurait brûlé depuis longtemps. On met un coup de... Regarde, là, c'est en train de grignoter ton carton. Ça ne brûle pas. Arrêtez le truc. Où est-ce que vous voyez que ça brûle, vous? C'est un peu grignoté, là, non, ça quand même. Ça grignote. Mais à 700 degrés, c'est normal que ça grignote. Même le plâtre, il serait grignoté. Le feu, c'est 700 degrés, hein. Tu vas pas faire un feu moins chaud si c'est le feu. Vous voulez qu'on parle? Merci, Eric. On parle de la norme NF 642-28. Ah oui, justement, c'est la pilule que j'ai oublié de prendre. C'est celle qui classe le carton. Le carton peut maintenant être dans des studios de télévision, dans des endroits où il y a des risques d'incendie. Il est classé M1. Le carton aussi, et en particulier le quadruple cannelure. Grâce à Jamel Bourras, on peut parler enfin de la quadruple cannelure. Ah ouais, ça faisait longtemps qu'on avait très envie d'en parler. Oui. Vraiment, ça nous manquait tellement. Enfin, ça, c'est de la quadruple cannelure. Quel intérêt? C'est solide, pardon. C'est pas solide, c'est hyper solide. Je le prouve. Venez avec moi aussi, Laurent. Regardez, ça, c'est ce qu'on appelle une palette. Ouais. D'habitude, c'était en bois. Le bois, c'est bien, mais ça pourrit, ça fait, on peut le laisser là. Voilà, j'ai enlevé la camelette, je l'ai coupé en deux, de façon à ne garder que la moitié de la palette. Ça, c'est une palette qui résiste à tout, on met les chargeurs élévateurs en dessous. C'est hyper solide. Je le mets deux fois moins solide que cela. Hop, je le coupe en deux. Regardez. J'ai grossi beaucoup pendant l'attente. Attendez, est-ce que je peux y aller d'abord? Parce que le troisième qui passe, c'est pas sûr. Hein. Allez-y, ça résiste au moins à deux personnes. Allez-y, voilà. Ah. Voilà. Saute!
Ah, j'y vais aussi. Sautez. Allez-y, ah, Jamel, combien vous pesez? Heureusement que c'est pas douillet. 88, 89. Non, attendez. J'y vais aussi. Je crois que ça résiste à 3 aussi. Voilà. Ça résiste à 3 gros chroniqueurs. Oh là là. Philippe, non, on essaye, on essaye. Ah non, on va se péter la gueule. Non. Attendez. C'est du carton. C'est du carton, hein. Et ça n'est que du carton, ça pèse 10 kilos. On essaye encore un... Non, pas Christine, pas Christine. Allez, allez, on va se pousser. Juste, ça tient. Ça tient et c'est vachement solide. Mais on va sauter. Voilà. Merci. Jean-Bernard, on essaye maintenant. Là, ça va craquer. Ça va finir par casser un jour, oui, mais on verra jusqu'où ça peut aller trop loin. Ah, c'est ça ton expérience? Tu parles d'une expérience? Mais si ça se pète, on se pète les jambes. Tu vois, je vas-y, comme ça, voilà. C'est pas solide le carton? Non, non, c'est super solide. On essaie encore un. Allez, bien. On essaye à plusieurs. Bon. On est tous prêts. Bonaldi, vous êtes viré. Non. Vous êtes viré, Bonaldi. C'est toi qui a fait péter le carton. Mais non, n'importe quoi, c'est moi, t'as grossi. Pas grossi, on va te dire. C'est que Jérôme Benal, nous connaissions le carton double cannelure, triple cannelure. Il vient nous présenter le quadruple cannelure, on a vu ce que ça a donné. Il va venir nous proposer la semaine prochaine le papier hygiénique triple épaisseur. Vous imaginez la démonstration. Le pire, c'est que ça se trouve, il y a un mec qui est en train de cramer avec son carton derrière avec mon cannelure. Je suis content qu'on ait réhabilité le carton. Avec l'expérience à la noix. C'était du recyclé, recyclable, recyclable. Jamel Bourras me confie quelque chose. Il paraît que c'est un carton qui vient du terminal F à l'aéroport de Roissy. Non, non, il est fabriqué dans la ville de Kaiserberg. C'est dans le Haut-Rhin. Qu'il y reste. Non, vous êtes vache. Vous êtes vache, vive le carton. Merci, Jamel. Non, c'est solide. Hein. Merci. Au revoir. Le carton mercredi sur tous vos écrans. Adieu, Jérôme Bonaldi. Je propose tout de suite le kick à déconner. Je vous propose ce soir Vahid Halilhodžić, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, à cause encore de la défaite à Moscou cette semaine. Ça va pas mieux au PSG, mais on murmure qu'il pourrait... On a déjà le nom du remplaçant. Ah, ah bon? Il pourrait s'agir de Jean-Luc Lemoine. Parce qu'il fera rire aussi, mais lui au moins c'est son métier. Combien de points pour l'entraîneur du PSG? Non, là je lui mets zéro. Là il me fait vraiment de la peine maintenant. Ah bon, très là, bien, Jean-Bernard. C'est plus possible. Juste pour le faire avancer, pour faire avancer Schmilblick. D'accord, voilà. Sophie. Faut pas tirer sur quelqu'un qui meurt, là. Zéro point, comme en Ligue des Champions. Christine. 30, parce que c'est mon pognon. Philippe. Mais 30 points, il en marque si peu sur le terrain, comment il en a dans le kick à déconner. Et vous? Zéro, parce que j'aime bien. Bon, bah très bien. 90. C'est l'hypocrite, Laurent Ruquier. Parce qu'il est balèze, moi je dis la même chose, vous vous foutez de moi. Et oui, c'est comme ça. Et je vous propose maintenant l'entrée de Richard Branson, vous savez, le PDG, le milliardaire de chez Virgin, qui va lancer des navettes pour aller dans l'espace. Et il dit cette semaine dans le journal Libération, un jour nous verrons le premier hôtel de la marque dans l'espace. Mais il y aura intérêt à prévenir à l'avance pour faire monter le petit déjeuner. Puis cet hôtel va échapper à la catégorie des 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles que nous connaissons. La Voie lactée. Joli. C'est beau. J'adore ce type, c'est un monstre, c'est le roi du marketing, il réalise tous ses rêves, enfin voilà, bravo. Et Jean-Bernard? Zéro, parce qu'il fait avancer le rêve une fois de plus. Mmh. Absolument. Ouais. Sophie? L'impossible, il s'y tient, c'est bien. Jean-Luc? Pour Pompe et Gueuluc, parce que si on va à l'hôtel pour dormir à la Belle Étoile, ça ne sert à rien. Allez, j'ai pas compris. Ah, si. J'ai pas compris, vous voulez aller à l'hôtel pour pomper Gueuluc? Oui. Ça vous regarde, oui, toi aussi. Oui. Oh là là, mais tu prends tout, toi. Oui, donc pareil pour pomper le moine. Trente points, parce qu'il y en a marre de la pollution atmosphérique due au trafic aérien et bientôt des fusées. Parfait. Et pour Jamel Bourras, 10 points. Parce que tous les trois, ils ont mis zéro, les autres 30. Donc pour changer. Bah voilà. Voilà, 10, ça fait une moyenne et un total pour Richard Branson de 100 points. Alors, on va regarder le classement
tel qu'il était juste avant que vous accordiez vos points, on avait quand même cette semaine Pasqua en tête avec 510 points, en 2 Raffarin 410 points, en 3 Douste Blasi 380, en 4 Jean-Pascal 340, en 5 Sarkozy 330 points, en 6 Madonna. Et le changement, voilà, c'est en 7 maintenant Vahid Halilhodžić qui passe 5e devant Madonna. Ah. Et derrière, la Tour Navarro, Haled et Bernadette Chirac. Un jour, peut-être, vous serez dans le kick à déconner. J'ai pas besoin, si. Faites un effort, je sais pas, ressortez avec Christine Bravo. Tout peut arriver. On vous souhaite en tout cas, évidemment, un carton avec ce film, c'est tout indiqué. Le carton, une comédie qui déménage, mercredi prochain sur vos écrans, avec, entre autres, évidemment, Jamel Bourras. Merci, Jamel. C'est moi, ça m'a fait plaisir d'être là. Merci beaucoup. À lundi. Bon week-end sur France 2.